Donc, vous avez vu le titre de cette vidéo. En fait, ce qui s'est... je vous dis, ce qui s'est passé, c'est que... Hello guys, comment ici Karima et bienvenue sur Kalanyorat. Si c'est votre première fois ici, prenez votre temps, regardez un peu et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, etc. Si c'est pas votre première fois ici, que vous n'êtes pas encore abonné, Karimukenrat, abonnez-vous, voilà. Vous avez vu le titre de la vidéo. En fait, tu sais c'est quoi? C'est que j'avais besoin de quelque chose et puis je me suis dit c'est sur Jumia, si c'est sur Jumia, autant acheter autre chose et faire une vidéo. Et bien entendu, il faut toujours une paire de chaussures parce que c'est devenu notre signature. Donc voilà, sans plus tarder, on passe tout de suite à la vidéo. Donc, allez Kaladbi, en fait le truc c'est quoi? C'est que j'ai prévu de faire une deuxième vidéo de Je me prends pour Enera parce que j'ai reçu des produits de chez Enera Beauty. Et voilà, et je me suis dit cette fois-ci on va la faire bien, tu vois. On va prendre le petit peigne, machin. Donc je me suis dit, bon, attends, je regarde sur Jumia. Parce que j'avais vu que Jumia l'avait et j'avais prévu de l'acheter sur Jumia. Maintenant, si j'achète sur Jumia, logiquement, autant chercher d'autres choses dont j'ai besoin. Parce qu'on n'achète que des choses dont on a besoin. On n'est pas là pour gaspiller. Et en même temps, et faire une vidéo. Et bien sûr, quand on fait une vidéo, il faut une paire de chaussures. Donc, voilà. On commence par ce qui a amené cette vidéo. Le peigne. D'accord? Donc... un équilibre. Bon, j'ai mon ordi là juste en bas. Je vais lire le... Vous ne le voyez pas? Non, ok. Je vais lire le truc. Donc, lisseur cheveux crépus, peigne électrique chauffante. Voilà, donc c'est ce truc là que j'ai vu. Et voilà, je pense que c'était le prix le plus abordable. Il y avait des 11 000, il y avait des je ne sais pas quoi. Donc, livraison au point de relais 550, sur place 1600, point de relais comme d'habitude, sinon c'est 1600 chaque article, compliqué. Les commentaires étaient intéressants, il y a un commentaire qui disait que le peigne était léger et que genre, en gros c'est comme un jouet quoi, il est léger. And I was like, Le taux d'exposition des commandes de ce vendeur, excellent, score qualité moyen, avis des consommateurs moyen. Et il a 277 abonnés, donc je me suis dit bon, on dirait que vraiment c'est legit quoi, on n'a qu'à acheter, donc j'ai acheté ce truc. Maintenant, je vous laisse avec les détails du produit. Est-ce que ce produit-là, c'est la même chose que je vais recevoir? On n'a qu'à ouvrir et voir. On va tester ça sur cette headband. Oui, vous vous rappelez? Vidéo dans la carte. D'accord. Et je sais pas, j'avais mis, je pense, dans la vidéo des styles que j'avais fait un braid out. Et hier, quand j'ai sorti cette half wig pour l'été, la couleur et tout, j'ai juste peigné le braid out. Donc, c'est pour ça que c'est comme ça. Donc, on va tester le peigne sur ça. Ah, la peigne bizarre. On est là, on va l'ouvrir. Comme d'habitude, les agrafes de Jumia, vous connaissez. Mini Gold Céramique Professional Press Com. Et les températures 20. Ajustable, machin. Ok. Jusqu'à 450 Fahrenheit. Que ça se chauffe en 30 secondes. Que le cordon il tourne. Il ne tourne pas, c'est pas vrai. Tangle Freestyling, ok. Oh, le fait qu'il y ait ça déjà. La couverture là. Ok. Ok. Ok, d'accord. Pourtant, ça va, hein. Le léger, je vois pas. Ça va. Bon, je vais brancher ça et puis on va voir si ça chauffe en 30 secondes. On va voir si ça arrive à lisser cette perruque. Ah, appuie long, ok. Donc là, c'est sûrement en train de chauffer. Bout du risque. Il y a un petit bruit. Peut-être sous tangué. Oh, ça commence à chauffer.
Peut-être sous Tanguy il a arrêté, on va voir. Ça tient bien. Après une heure, il s'éteint automatiquement, selon les instructions. Et les trois indicateurs de lumière, c'est 160, 180 et 200 degrés. Donc le 450 là, what do you mean? 2, 3, 1. C'est un peu comme mon séchoir là, de Auchan. Félix, je suis à 1. Voyons voir. Est-ce que mon copain à la base aussi? Ah, mon petit père. Est-ce qu'il y a une kiss? Ok, bon, je vais augmenter la température. On va voir. Ok. Ok, d'accord. Là, il est 3. Je vais voir si je peux avoir un truc super lisse. Super, super lisse. Déjà, je vais commencer par dire que non, ça ne se chauffe pas en 30 secondes. Donc là, c'est la température maximale. Ok, d'accord. Bon, on valide fort même. On valide très fort. Très, très fort. Je recommande. Je vous ai mis le nom du livre du vendeur et tout. Je recommande. Pour l'article suivant, je me suis décidée sur un set, un live set, ça s'appelle. Donc, c'est un trépied avec une ring light, mais beaucoup plus petite que celle que j'ai. En vrai, le truc, c'est que j'ai au moins 4 trépieds que j'utilise, si vous voulez, que j'utilise. Sauf qu'ils ont différentes tailles, par exemple. Mais je trouve que tous mes trépieds, ils sont trop grands pour des fois. Donc, j'ai besoin d'un plus petit. J'en avais un, mais je ne le retrouve plus. Et c'est à peu près le même genre que j'ai pris. Donc, c'est un trépied flexible et tout. Mais ce truc-là, ça vient avec la lampe dont j'ai parlé, une ring light de 6 pouces et aussi avec une pince. Et je me suis dit, pourquoi pas? Parce que cette pince-là, normalement, d'après les images que j'ai vues, je devrais pouvoir utiliser ça avec directement le téléphone, avec directement, par exemple, mon micro, si je veux parler, que je le mets comme ça sur la table et que j'ai le micro, tu connais. Donc voilà, je me suis dit, en plus pour 4600 francs, pourquoi pas? Donc, je l'ai acheté. Live 7, trépied plus lampe circulaire, machin, machin. On peut changer de mode d'éclairage. Patati patata. Peut-être monter sur le bureau. Contenu de la boîte, une lampe circulaire, un trépied, une pince de sécurité et un support de téléphone. Et par rapport au vendeur, le taux d'expédition des commandes est excellent. Le score qualité est excellent et l'avis des consommateurs est moyen. Et il a 59 abonnés. Donc, je me suis dit, let's go, let's go. On y va. On a pas qu'à assis. Ok, déjà, c'est pas petit. C'est pas petit, genre, regarde mon visage. C'est pas petit. Ok. Donc, j'aperçois en premier la ring light. Elle a cette taille-là. Donc, si vous avez regardé le shopping à Dakar avec Jumia numéro 1, j'ai acheté une mini ring light. Sauf que c'est une mini ring light qu'on met sur le téléphone. Et je l'utilise toujours, hein. Elle est super. Ça fait plus d'un an. J'ai jamais eu à changer les piles, etc. Et je l'utilise souvent. Donc, voilà. D'accord? Mais le truc, c'est que ça, je peux le mettre que sur le téléphone. Je ne peux pas l'utiliser ailleurs ou si je veux, par exemple, que la lumière... Par exemple, là, je vais vous donner un petit truc. La fenêtre est là, donc la lumière éclaire un peu ici. Donc, le soleil commence à se coucher, etc. Mais il faut que je filme. Donc, je filme quand même, quoi. La lumière, elle vient un peu comme ça. Donc là, d'habitude, c'est sombre. Attendez, j'éteins la lumière, je vais vous montrer. Vous avez vu? Donc, vu que la lumière vient comme ça, là, c'est sombre. J'ai besoin que ma lumière soit un peu décalée comme ça pour éclairer ces ombres ici. D'accord? On fait un petit cours là. Lighting. Donc, des fois, j'ai besoin que ce soit décalé. Sauf que quand j'ai la mini, celle-là, elle peut être que où la caméra fixe, en fait. Donc, c'est pour ça que quand j'ai vu le set avec ça, je me suis dit, pourquoi pas? Donc, celle-là, c'est une de 6 pouces. Elle a la taille à peu près de ma main. Et voilà, connectable avec USB. Et voilà, et c'est tout. On va la tester tout à l'heure. Donc, il y a la mini ring light. Ensuite, waouh, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. C'est lourd.
C'est comme si vous allez pouvoir voir. Ouais, donc, voici le trépied flexible et tout. En vrai, c'est les meilleures qualités que celui que j'avais acheté. Let's be real. Et en plus, je pourrais utiliser facilement ça en truc genre un selfie stick. Ok, ok, d'accord. Encore. Et en vrai, ça a l'air lourd. J'ai eu beaucoup de trépieds. Et franchement, les trépieds chinois qui se cassent au bout d'un mois là. En vrai, j'avais commencé avec mes premières vidéos. C'était un trépied à peu près du genre de moins bonne qualité que j'avais acheté à 2500, un truc comme ça. Et donc, c'est ce que je mettais sur mon dictionnaire de médical et d'études d'aller côté conséquent pour filmer les premières vidéos. Ah, mais ça. Avec tous les trépieds que j'ai eus, c'est de la bonne qualité. Franchement, le truc, tu as l'impression que c'est du bon caoutchouc, bien solide. Il y a du métal où il faut. Parce que des fois, là, c'est en caoutchouc aussi. Et donc, après, le truc lâche. Le pas de vis, il lâche. Bref, donc. Et puis, ça, c'est antidérapant. Même pour, c'est flexible, mais même pour plier ça, vous avez vu, je galère. Donc, ok, je suis excitée, je suis contente. Et puis, si jamais j'ai une caméra, j'ai juste besoin de ça, en fait. Donc, c'est déjà bien. Ensuite, il reste quoi? Le support de téléphone et puis la pince. Oh, oh, j'ai pas appris. Oh, my God. Maintenant, j'ai la pince. Et carrément, je peux carrément utiliser mon micro avec, en fait. À la base, c'est plus pour ça. Okay. Ok, et c'est mon œil. Ah, je suis contente. Je suis contente. Et c'est vraiment lourd et tout. Seul hic, en fait, là, maintenant, tout de suite, c'est que comment je fixe mon téléphone à ça, en fait. Parce que j'ai les... je vais vous montrer. J'ai ça, tu vois. J'en ai assez pour fixer. Mais je me dis, à la base, c'est censé... fixer avec ça. Bon, je revois les images du truc et je vous reviens. Il n'y a pas de notice. J'arrive. Ah oui, je n'ai pas le clip de téléphone. Je vais vous mettre la photo. Je n'ai pas le clip de téléphone. Et pourtant, il est bien truqué ici. Bon, je pense qu'en dehors de la photo du produit, ils ont pris d'autres photos ailleurs. Parce qu'il y a des photos où on voit pas le support de téléphone et il y en a d'autres où on voit le support de téléphone. Et comme dans la description, ils ont dit que ça venait avec un support de téléphone, je m'attends à avoir un support de téléphone. Ok, d'accord. Maintenant que c'est clair, on passe. Je suis très, 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 très contente pour le clip, pour la tête tournante, pour le trépied. Franchement, il est super lourd. Il est super lourd. Je suis trop contente. Et en, bien sûr, la ring light. Je vais la brancher. On va regarder vite fait. Ouh, attendez. Je vais enlever ça. Je suis trop contente parce que des fois, je débat... Quand j'allais à Salier, quand j'allais à Rio, oh my god, j'avais ma ring light ou pas? Je débattais souvent et maintenant j'ai plus à débattre parce que j'ai une mini ring light qui peut même rentrer dans mon sac si je veux. Donc là, je diminue. Ok, on augmente jusqu'à à fond. Ok, ensuite on change de couleur. Ok, ok, ok. Ok, d'accord. Donc, je suis vraiment contente de cet achat. Donc, voilà. Donc, ça fait, attendez, ça fait 2 sur 2. Il reste que des chaussures, en vrai. Comme d'habitude. Bon, on sait jamais. Allons seulement. Donc, voilà. On arrive au sujet qui fâche. Les chaussures de Junior. Maintenant, le truc, c'est que, je vous dis tout de suite, quand j'ai récupéré le paquet, j'ai senti la semelle. Non, le bas de la chaussure. Je veux pas être la copine là qui à chaque fois, genre, elle vient pleurer dans tes bras parce que son gars l'a trompée. Après, elle retourne avec, quoi. C'est un peu la même vibe que j'ai. C'est pour ça, d'accord? On va juste comparer avec la photo. On va parler des faits. Et je vais essayer de pas mêler mes sentiments. D'accord? Est-ce que je vous ai assez préparé psychologiquement? Parce que même moi, j'essaie de me préparer. J'essaie. God, you good, oh. Please seulement. Sandales noires entre doigts avec boucles. Fabrication locale. La photo est jolie. La semelle est beige. Le truc est noir. La boucle, elle est jolie. Donc, et si vous regardez le truc, la bande qui n'est pas au niveau des doigts, elle s'emboîte, ok?
Voilà. Maintenant, attendez, le sujet qui fâche. Attendez. Commentaire. Très, très mauvaise qualité. Moi, j'ai acheté. Attendez, attendez, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Le vendeur, taux d'expédition, très mauvais. Score qualité, mauvais. Avis des consommateurs, moyen. Moi, j'ai acheté ça. Donc, comme beaucoup moins, on va juste regarder, on va parler des faits, après on va se dire au revoir quoi. Ah non, elle n'a pas quelqu'un. Vous griffez. Ok. Donc, la structure dont je parle. Ah, non. Je vais vous montrer là, comme dans le 2, je vais vous montrer d'abord, je vais pas regarder, je vais d'abord vous montrer la chaussure. Attendez, je touche. Et là. Mais au moins, vous vous rappelez, le 2, au moins là, c'est lisse. Entre doigts, ok. C'est bonjour. Ok, l'effet, on va dire l'effet. Attendez, je m'envoie la photo. On va commencer par la forme. Déjà, c'est pas un carré comme les autres fois, donc je devrais me taire. Mais comme je ne me tais jamais, on va quand même en discuter. To be fair, je pense que c'est la chaussure qui est la plus proche de l'image des chaussures qu'on a vues pour l'instant. Donc les gens qui ont dit très mauvaise machin machin là, c'est parce que vous n'avez pas vu mes anciennes chaussures. Et en plus de ça, je vous ai pas dit la Jumia 2 là, la paire de chaussures là, Madame Église, dit tout ce qui est Église, mais faque ça dans le bidagrin, moi voilà deux coups de boutique de notre 500, on me l'a donné ce billet Église. Donc vous vous rendez compte avec des tares alors que j'étais habillée. Bref, je ne vais pas m'énerver. Donc franchement, la photo, bon, le truc est le plus proche. Hein. Franchement, c'est le plus proche. Je vais les porter. D'accord, je vais vous mettre les photos. Mais pour moi, c'est le plus proche. Maintenant, est-ce qu'on va parler du fait que les machins là, c'est même pas arrondi, c'est laissé couper comme ça, genre l'attention des détails. Genre, arrondis ça un peu. Le truc là, vous avez vu, ça s'emboîte comme j'ai vu sur le truc. Mais vous avez vu, le cuir, à un moment, ils ont dû percer ça. Parce que j'ai ça, même Bima sur le nez aussi, il y a des trucs comme ça. Donc, voilà, quoi. Mais vraiment, on va pas trop se plaindre. Je vais porter la chaussure. Oh, ça va, les amis. Pour une fois, oh my god, 3 sur 3. 3 sur 3. Il faut jamais perdre espoir. Faut jamais perdre espoir. Il faut continuer de persévérer. Vous vous rendez compte? Je vais mettre un 5 étoiles sur cette paire de chaussures. Vous vous rendez compte? Bon. Vidéo bidire. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Et comme je vous ai dit au début, c'était même pas prévu. C'était parce que je devais faire un achat que j'ai fait cette vidéo. Et franchement, pour une fois, pour... D'où bien? Choc, je suis trop contente. C'est 3 sur 3, vous vous rendez compte? Voilà, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à aimer, s'il vous plaît. Aimer, partager, s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Et s'il vous plaît aussi, quand je suis sur Instagram et que je promeux une marque, s'il vous plaît, aimez. S'il vous plaît, aimez. Et si vous pouvez partager le post, même si c'est vous envoyer à quelqu'un d'autre, envoyez ça à moi-même. Que Instagram se dit, ah, on est en train d'envoyer le post là. C'est ce qui marche et c'est ce qui m'aiderait, s'il vous plaît. Si vous pouvez aussi envoyer, pareil, ces vidéos-là, vous envoyez ça à quelqu'un qui me regarde déjà, si vous voulez, sur WhatsApp. Le fait de partager, ça montre à l'algorithme de YouTube que, ah, cette vidéo, elle est intéressante, les gens la partagent. Donc franchement, ça m'aiderait vraiment que vous m'aidiez. Parce que ça, là, vous faites ça, c'est insignifiant pour vous, ça prend 5 secondes, mais ça aide beaucoup la chaîne. Et voilà, comme ça, au moins, nos efforts seront récompensés.
récompensé. Nos efforts seront récompensés, hein, le temps que je prends pour ces vidéos, l'argent. Les amis, l'argent, l'argent. L'argent, le temps que je prends pour faire la vidéo, le temps que je... Vous avez vu, j'ai mis du maquillage juste pour vous filmer ça. Après, je vais me démaquiller et je vais aller... pas me coucher, mais je vais aller ranger déjà. Le temps que je prends pour éditer et tout, s'il vous plaît, ce serait très gentil. Très, très, très gentil. Merci beaucoup. Voilà, c'est mon gars, Kalen Abonnez-vous et on se dit à vendredi prochain. Bye guys, bye bye.